RTS Info, Valérie Eschler. Les discussions sur les futures relations commerciales entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne vont se poursuivre cette nuit. Jusqu'ici, Londres juge les conditions de Bruxelles inacceptables. C'est ce qu'indique ce soir une source gouvernementale britannique. Les deux parties se sont données jusqu'à demain pour conclure un accord, faute de quoi les Britanniques perdraient dès le 1er janvier leur libre accès au marché unique de l'Union européenne. L'UE qui condamne fermement l'exécution de l'opposant iranien Rouhol Azzam, l'UE qui appelle dans un communiqué son opposition à la peine de mort, quelles que soient les circonstances. L'opposant iranien, un temps exilé en France, a été exécuté ce matin en Iran après la confirmation de sa condamnation à mort pour son rôle dans la vague de contestation de l'hiver 2017-2018. Aux États-Unis, les premiers lots de vaccins Pfizer-BioNTech contre le Covid-19 autorisés hier arriveront lundi matin dans les centres de vaccination du pays. Les autorités américaines l'ont annoncé aujourd'hui, un vaccin qui sera immédiatement administré aux Américains. À ce stade, près de 1% des personnes testées dans le sud des Grisons sont positives au Covid-19. C'est ce que révèle la première partie des tests de masse qui ont débuté hier dans le canton. Jusqu'à ce soir, 11 427 personnes se sont faites tester. 112 d'entre elles ont reçu un résultat positif. Ces tests rapides, gratuits, sur une base volontaire, s'achèveront demain. La médecin cantonale des Grisons avait prévu qu'environ 1% de la population était infectée sans le savoir et est donc susceptible de contaminer d'autres personnes. Ce sont les premiers tests de masse effectués en Suisse. La forte mortalité due au coronavirus fait baisser l'espérance de vie en Suisse. Lors de la première vague, le recul a été particulièrement marqué dans l'Arc Lémanique et au Tessin, les régions les plus touchées par l'épidémie. Au Tessin, elle est passée de 82 à 76 ans pour les hommes. Dans l'Arc Lémanique, elle a diminué de 3 ans. Au niveau suisse, la baisse est pour l'heure de 3 à 4 mois. Selon le démographe Philippe Vanner, cette baisse de l'espérance de vie montre que le Covid ne tue pas seulement des personnes en fin de vie. Il s'exprimait ce soir dans l'émission Forum sur la première. Football, le FC Sion s'est incliné 2-1 ce soir face à Lucerne. C'est la quatrième défaite consécutive des Valaisans. Dans le second match de la soirée, Bâle a battu Vaduz 2-0 au Liechtenstein. Et on jouait aussi en Swiss League de hockey sur glace. C'est ce 13e succès en 15 matchs pour Ajoie qui a battu Olten 4-3 après prolongation. Sierre a pris le meilleur sur la Chaux-de-Fonds 5-1. Météo, demain le temps sera encore très nuageux le matin, il y aura ensuite de belles éclaircies avant le retour des nuages par l'ouest en cours d'après-midi. Il fera 3 degrés au petit matin, maximum 7 l'après-midi. Lundi, des grisailles jusque vers 800 mètres, temps assez ensoleillé dans les Alpes et sur le Jura.